Oui, les amis, c'est qui votre Wasabi Bibifle préféré? On se retrouve là, j'étais en VIP, casting, théâtre, chez Monsieur Papagali, voilà tout simplement, pour quelques sketchs, improvisation, voilà tout simplement. Eh ben, c'était super cool, dédicace à lui, je vous montrerai un peu ce qu'il a été question, de quoi il a été question, hein, une petite improvisation de 10 minutes à peu près, voilà. Attendez les amis, j'ai un coup de téléphone. Oh, je vous montre qui c'est. Laurent Ournac. Voilà Laurent Ournac. Je réponds les amis. Oui Laurent, comment vas-tu? Merci, merci. Oui, pour le retour, tout s'est bien passé. J'ai suivi ton conseil. Voilà, j'étais en audition. Donc je te remercie fortement. Oui. Merci, merci pour la vidéo, merci pour le like, ils ont aimé un peu mon humour. Ouais, au camping, c'était cool, on reviendra. On te remercie, merci, merci. Oui, les amis, ben comment ça s'est passé? Moi, j'ai jamais fait de théâtre de ma vie. Donc, ça s'est passé comment? Vous avez bien vu, c'est Laurent qui m'a appelé au téléphone. Voilà, donc il m'a conseillé là-bas au théâtre 145 de Monsieur Papagali. Mais Laurent, je l'ai rencontré comment? Dans ce camping Paradise. Je l'ai vu, il était tout seul, il déprimait sa mère, il était avec une Heineken, dans un snack, tout seul. Je suis allé le voir, je dis, oh Laurent. Il m'a dit, bonjour, on se connaît. Je lui dis, oui, moi je te connais, peut-être pas toi. Je lui dis, mais Laurent. L'achète Heineken, pourquoi tu déprimes? Oh, c'est incroyable, les amis. On aurait dit que Tom, le dragueur de la série, il allait se marier avec son oncle. C'était une gueule qui tirait, j'ai jamais vu ça de ma vie. Oh, je lui ai tellement fait des jeux de mots, il n'en pouvait plus. Vous croyez qu'il a maigri comment? Tellement. Il pleurait sa race de rire. Je voyais les kilos s'évaporer de ses paupières. Il pleurait, ça partait, il maigrissait au fur et à mesure. 70% d'eau dans son corps. Maintenant, il fait 30% de kilos de flow. Je lui ai tellement fait des rimes, des jeux de mots. Il pétait de Il m'a dit, rire. remplis-moi de flow. Et oui, les amis, en plus, j'ai croisé le casse-couille de la série avec lui. C'était son sahab, il était là-bas, le monsieur, là, tout sec, tout aigri. J'étais obligé de lui faire deux, trois têtes. Il m'a dit, on se connaît, un problème. Juste avec Laurent. Il m'a dit, on se connaît, un problème avec Laurent. Je lui ai fait une tête, deux, trois têtes pour qu'il comprenne. Laurent, il a pété de rire. Il m'a dit, jeune homme, assis-toi, tu bois quoi? Après, je lui ai dit, mais Laurent, je fais pas ça pour ça. Il m'a dit, mais bois quelque chose. Je lui ai dit, ok. Je dis, je sais pas quoi. Normalement, j'aurais pris un sirop fraise ou quelque chose. Je lui ai dit, Laurent, c'est le cœur d'humain. Il m'a dit, non, je t'assure, prends quelque chose. Il m'a dit, bon, je te mets un cocktail de la maison. Je lui dis, ok, mais sans alcool, les amis. Il met un cocktail, j'ai jamais vu ça. Il y avait des fruits de partout, des ananas, des trucs, des machins, pas gauche, je sais pas quoi. Les amis, je voyais lui mettait que du pur dans son putain de jus d'orange. Il mettait que du pur dans le jus d'orange. Il versait ça, je sais pas ce qu'il me racontait. Je viens d'Oran, il n'en pouvait plus. Il m'a dit, j'ai fait 10 ans de taekwondo et de judo, et il versait que dans le jus d'orange. Il est parti d'un coup, l'ami du Wu-Tang. On est passé de Clo-Clo à Wu-Tang. Laurent, c'était devenu Laurent-Outang, joyeux et festif. C'était incroyable, même Monsieur Parisot, c'est devenu un vrai Parigot. Monsieur Parisot, je le vois, il se met à zouker sur une nana là-bas, au plein milieu du coin. Oh, il revient, oh, il avait un Thibaut Courtois dans le pantacourt. Il était devenu Courtois, Monsieur Parisot. Il m'a dit, merci, merci, voisin Bibifle, je m'en souviendrai de cette soirée. Parole de Parisot. C'était incroyable quand j'ai vu ça. Oh, même les gars du 9-2, ils jetaient des têtes un putain de cane corso, un chien de maquereau, les amis. Le chien, il partait, broutait en miaulant. C'était devenu un chat, un tigre, le chien. Non, mais même le chat, je suis sûr que tu l'aurais posé la question à ce moment. Mais t'es de quelle nationalité? Il aurait fait. À la fin de la soirée, ils avaient tous les yeux mouillés, tellement ils étaient contents. J'étais en VIP, en choupe au moutang. C'était incroyable. Ils me regardaient, je devenais comme Jafar, envoûtant. Merci, merci, voisin Bibi. We'll be right back.
Too many thoughts on my mind, I can't sleep at night, so I just keep writing. I don't need no help, I don't need opinions, so don't waste my time then. I just been living online, my city don't show me no love and that's fine. Fuck local radio stations, I got more plays than all of these rappers combined. I'm going again, I've been going in, I'm fed up with so many things. I gotta just let it all out, I'm talking about the shit they've been talking about. Telling me I should do this, telling me I should do that. Telling me things about rap. Talking the truth and that stab in my back, they will knock me off track. No, no, too many things have been building, been hard to deal with, I just been drinking. Remember my moves in the past, I'm wondering what was I thinking. Lately I'm living in fear, wondering what if the end is so near. All of this shit going on, the shootings are strong, one shot to the head and I'm gone. I'm losing control but I can't let it go, cause I'm trying to get more and I've been in the moment. I've been in the zone and I'm moving alone. I don't pick up the phone when my family call, I've been doing it wrong and I don't know what's happening. Trying to get what I just been imagining, getting close and I just been examining all of the fake shit the game has been packaging. I've been keeping it real.